Mec, ce soir c'est carrément incroyable. Salut à tous, ici Skelo. Et le Padre. Et on se retrouve aujourd'hui pour 6ix9ine à 8h du matin. C'est pour bien te réveiller. Merci. Donc le titre c'est Giné. Giné ou Ciné? Non, Giné. Giné. Avec le accent aigu en plus, donc ça vient peut-être du français. Mais qu'est-ce? Ça veut peut-être rien dire, hein. Bah si. Oui? Bah oui, bien sûr. Attends, on va vite regarder. Ah! Je vois que c'est une ville en France. Ah bah voilà. Ok. Non, mais à mon avis, c'est autre chose, mec. On n'est pas au courant, quoi. Bref, on va se lancer ça tout de suite. C'est parti. Ah bah voilà, c'est un energy drink. Mais sérieux, là? Ouais, ça se voit. Ah. Ok, donc je suis un peu déçu parce que ce n'est pas le fameux morceau là, le remix de Bande Organisée qu'on avait entendu en teaser. Non mais 6ix9ine, il est bien revenu, hein. Il est de retour, hein. Oui, oui, mais je crois qu'on l'avait compris ça. Hein. Ouais, mais quand tu vois de nouveau ces vidéos... Ah ouais, ça t'avait manqué? Ok, non. Ah, ment pas, hein. Je peux le dire. Je te jure. L'entrôme ici, hein. Non, franchement non. Ok. Ouais, mais après c'est vrai que bon, le morceau, elle est... pas de surprise, hein. J'ai pas envie de le dire, mais faut que je le dise. C'est du 6ix9ine. Parce que dans le passé, il nous avait déjà surpris, tu vois, avec des morceaux bien différents de ce qu'il fait d'habitude. Et que je me dis, waouh, il a vraiment un truc en fait. Mais alors, quand il se remet à faire des bails comme ça, bon, allez, on connaît quoi. On a déjà fait le tour, j'ai l'impression, de ce style là. Après, il le fait bien, il gère ça. Toujours bien coloré de toute façon. Hein. Là, ouais, et ça va plaire aux fans qui apprécient justement ces sons-là de sa part, mais c'est vrai que moi c'est un peu moins ma sauce. Et toi, est-ce que tu es du même avis ou ça te booste quoi? Bah oui, du coup, comme l'energy drink. Pas vraiment. Non. Non, franchement, j'ai pas besoin de ça. Hein, t'as pas besoin d'énergie ça. Quoi. Non. Mais la chanson. Au début, j'avais après quand même avec le, je sais pas, c'est du piano là, ça, ouais. Je sais pas, ça a pris une autre tournure, je trouve. Qui te plaît ou pas? Ouais. Oh, sérieux? Peut-être, faut écouter un peu plus. Non, la vidéo, c'est. Ouais. Bon, on va voir la suite. Attends, parce que je crois qu'il s'attaque à un rappeur là. Un rappeur qui avait fait une chanson pour un de ses amis décédés. Mais là, 6ix9ine, il dit ouais, ton ami est mort, mais il reviendra pas. Aïe aïe aïe, règlement. Bah, tu vois là. Mais c'est un peu hard, ça. Il est reparti à ce niveau là. Ouais, bah, il sait comment faire parler de lui, hein, comme on avait déjà dit. C'est comme, tu sais, les émissions de. Enfin, les shows de télé-réalité là. Des petites embrouilles entre chaque candidat. C'est ça que les gens aiment, la tension. Je touche pas à mon poste. Oui aussi, voilà, tu sais, des débats qui partent dans tous les sens. Bah oui, on aime bien, évidemment, on se nourrit de ça. Donc c'est pour ça que 6ix9ine a autant de succès, quoi. Ouais. Mais toi, ça te... Non, les histoires comme ça te dit rien, quoi. Non. Ah, non. Ah, moi, j'en ai pas besoin, moi, tout ce que je demande, c'est d'écouter un peu de musique, quoi, que la musique soit bonne, quoi, donc... autrement, le reste, je m'en fous. Go get a gun and get some get back. You a
là, c'est nouveau du pur 6ix9ine. Hein. Ouais, c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression qu'il va jamais changer. Quoi. Non. La sarcette, et même s'il disparaît un an, il revient avec la même recette, il s'en fout. Son tour en prison n'a rien changé. En fait, ouais, moi je dis ce qui fait vraiment sa force, c'est sa manière d'utiliser les réseaux sociaux, et sa manière de te faire parler de lui, quoi. C'est vraiment ça qui va apporter tout cet engouement, en fait, autour de ses morceaux, que les morceaux soient bons ou pas, quoi. Mais c'est vrai que ses fans doivent être vraiment aux anges, hein, je veux dire. Ouais, mais c'est ça. Enfin, je sais pas, ouais, mais je sais pas, tu sais, parce que allez, ça faisait un an qu'il avait rien fait, puis il revient ici avec un petit morceau de 2 minutes. Qui sonne comme beaucoup d'autres de ses anciens morceaux. Est-ce que vous êtes vraiment satisfaits, les fans, ou enfin, peut-être qu'ils aiment vraiment ce genre-là et qu'ils ne s'en lassent pas. Mais moi, en fait, ça me semble tellement monotone et répétitif. Surtout l'instru, bon, c'est toujours pareil, quoi. C'est une petite loupe de piano et ça se répète. Ça, et quoi, ça te plaît, ça? C'est un petit rythme qui me plaît bien, quoi. Ouais. Et alors, il a toujours son fameux flow, là. C'est cool, hein. Je dis pas, ça lui va bien. Mais en fait, pour que le morceau sorte du lot, il faut absolument qu'il trouve des petites gimmicks là, comme là il avait le chat 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 et machin là, parce que sans ça, bah, ce serait tellement basique, quoi. J'ai l'impression qu'il essaie un peu de camoufler la monotonie du morceau en rajoutant des gimmicks par-ci par-là qui vont aller faire sourire les gens et que les gens, tu sais, vont un peu répéter les mots en chantant. Parce qu'à part ça, mais y a rien en soi. Après, le clip, il est... Bon, c'est bien fait, mais... C'est toujours le même genre. C'est encore la même chose. Mon Dieu. C'est vrai que c'est toujours bien coloré, ça... Ouais, mais voilà, mais... Ouais, mais il n'y a que ça, au final. C'est bien coloré, il y a des meufs. Ouais, voilà. En plus, c'est toujours assez obscène, quoi. Je veux dire... C'est vrai que c'était un morceau que j'aurais préféré quand même écouter sans la vidéo, quoi. On n'est pas dérangé par la vidéo. T'es sûr de ça? Ouais, franchement, j'aurais préféré, quoi. Ce qui conclura la vidéo sur 6ix9ine, on attend du coup le remix de Bande Organisée. Où est-il? Je pense que ça viendra bientôt, vu déjà que l'engouement qu'il y a sur le teaser, il est obligé de nous la sortir, quoi. Si Jul l'accepte, bien sûr. Bah, certainement que les bonnes femmes sont occupées à s'entraîner, hein, pour le clip. Hein. Et ça, elles s'entraînent à twerker, ouais. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Et on se capte la prochaine fois. Ciao.